Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Vendredi après-midi 22 octobre 2022, a plus passé 10 moun mouri ak plusieurs autres blessés en babal. La yon série individu qui était dans une machine pick-up noire, 6 mètres coup de balle dans une station machine plateau central là, dans zone Bon Repos, d'après plusieurs témoignages. Samedi 22 octobre 2022, a gagné un jeune garçon qui relait 8-7 estimable, y était plus connu sous nom Lodé. La police suspecte qui t'a un des gang nan Palmis qui mourit dans Boukantay Koudzam avec la police dans zone Tirivière la Tibonite, d'après la police. Même samedi 22 octobre 2022, a gagné deux mouns yo connaît sous nom John ak Michel Jean. La police suspecte qui t'a dans gang yo relé Bondiria qui mourit dans Boukantay Koudzam avec la police dans Port-de-Paix département Nord-Ouest pays d'Haïti, d'après la police. Dans chapitre insécurité, vendredi après-midi 22 octobre 2022, a plus passé 10 mouns mourit ak plusieurs autres blessés en babal. Les une série individu qui t'a dans une machine pick-up noire, 6 mètres coup de balle dans une station machine dans plateau central là, dans zone Bon Repos, d'après plusieurs témoignages. Gen plusieurs autres moun ki blessé, yo te obligé courir aller l'hôpital avec yo, tankou l'hôpital Sainte-Camille, pourtant gen l'autre qui te allé dans l'hôpital MSF nan Taba. Samedi 22 octobre 2022, a gen un jeune garçon qui relé 8-7 estimable, yo te plus connu sous nom Lodé. La police suspecte qui ta en dedans gang nan Palmis qui mouri dans Boukantay Koudzam avec la police dans zone Tirivière la Tibonite, d'après la police. La police dit li touye jeune garçon ça qui te fait partie coalition gang qui relé Koukouat San Ras ak Bas Gangrif dans localité Pombouk dans commune Tirivière la Tibonite. Population dans commune Tirivière la Tibonite bat bravo la contentement après la mort chef bandi ça qui te fait partie groupe exam qui t'a terrorisé population dans la Tibonite lan. La police continue à demander population collaborer ak yo dans démanteler gang exam yo. Même samedi 22 octobre 2022, a gen deux moun yo konnen sous nom John ak Michel Jean. La police suspecte ki ta nan gang yo rele Bondiria ki mouri nan Boukantay Koudzam ak la police nan Port-de-Paix département Nord-Est pays d'Haïti, d'après la police. Des jeunes garçons sa yo mouri nan zone ki rele Grigri. Samedi après-midi 22 octobre 2022, dans la localité Tibouadom, entre commune Bassin Bleu et Goumon, bandi exam kidnappé à peu près 30 passagers qui étaient dans un petit bus qui tape sorti Port-de-Paix, département Nord-Ouest, pays d'Haïti. D'après information qui est disponible, bandi exam a demandé gros coup de force l'argent pour être capable de libérer passagers. C'est une bêtise, Nations Unies a passé pays d'Haïti avec résolution ça, d'après coordonnateur collectif 4 décembre 2013, l'agent Robert Hagan, qui était quoi, problème réel paysan, c'est pas lui-même qui a abordé dans résolution ça, li pa wè qui résultat, résolution ça après le poté, parce que c'est tringlé gang examio a tringlé paysan, pays a besoin action immédiate pour gaz la capable disponible, pour business capable fonctionner, pour population capable vaquer librement, ak activité lio. En côté coordonnateur collectif 4 décembre 2013 l'agent Robert Hagan ka pote plus détails pour nous. Au niveau du collectif du 4 décembre, parce que c'est la bêtise qui a passé nous frère. Parce que le problème réel que nous confrontons, c'est pas lui qui a abordé du tout. Ça a parlé là beaucoup et qui résultat tangible que ou même que population, que mon cap coûté yo a gagné aujourd'hui. On est en pleine strangulation, c'est-à-dire que nous vivons au côté que c'est étranglant que les gangs et le terrorisme qui établit à étrangler nous. Donc, parole à parler là, c'est leur parler peut-être éventuellement lorsque vous pourrez commencer à faire jugement, à juger moi, etc. Mais nous avons besoin d'action immédiate. Nous avons besoin d'action côté 1, que premièrement, que produits pétroliers sont capables de distribuer dans tout le pays sans problème. Que l'hôpital capable de fonctionner, que le monde capable de prendre service, que le business est capable de commencer. Et que deuxièmement, que la rue, nous sommes capables, que nous-mêmes, quel que soit, que la population est capable de vaquer normalement et sans que sauter dans toute la rue. Ça veut dire qu'on fait kidnapping sous contrôle, qu'on est capable de gérer ou soit là, ou soit du nord ou au sud, ou soit de là ou au sud ou au nord, sans aucun problème. Je ne sais pas rien dans ce que nous disons là, aujourd'hui,
qui adressait la situation ça et venir avec des effets rapides, immédiats, parce que son pays qui a étouffé. Mais qui je dois c'était coordonnateur collectif 4 décembre 2013 là Jean-Aubert Argan. Chapitre politique à cause de la résolution Conseil sécurité Nations Unies qui prend disposition contre gang Axamio à tout silayo cap bayo l'agent organisation Nations Unies pral capable mettre campé un groupe enquête sous acte criminel yo dans pays d'Haïti c'est disons centre analyse à recherche nan droit moun en côté directeur exécutif centre analyse à recherche nan droit moun nan cadre maître Gédéon Jean capote plus détails pour nous résolution est-ce que le bon poids bien sûr une résolution du Conseil de sécurité et pas même de l'Assemblée générale c'est une résolution qui s'impose à tous les états qui mandait qui ça ah. Qui demandait pour sanctionner les chefs de gang, qui demandait pour sanctionner les gens qui ont financé. Ça, c'est pas qui dit l'importance capitale. Maintenant, est-ce que vous avez un bon matin, une résolution faite? Non. Pour qui ça? Parce que ça, vous avez un monde qui tire, un monde, un grand national qui date. Non. Vous avez une criminalité. Alors, nous avons une baisse dans la criminalité, même au pas. Et lors même que les États-Unis annoncent mesures, on peut que à commencer pour donner les capes alimentaires criminalité à Nanaga. Ça a fait. Et lorsque la résolution votée par le Conseil, qui ça veut dire? Et si on ne comprend pas la barrière de tout de coup, on est dans un processus. Si la résolution est importante parce que c'est le Conseil de sécurité qui l'a voté et qui dit voilà, nous observons de près la situation, okay, nous sommes préoccupés, nous exigeons. Que les bandits, les criminels soient poursuivis. Oui, ça est extrêmement important parce que je regarde la société sur vous, tout est fou. Mais résolution soit, les sanctionner sur base de résolution. Non, c'est parce que ça va autoriser, mettre en place un groupe d'enquête qui pour enquêter, au bout d'experts, qui pour enquêter, pour venir avec des données. Et c'est là qu'on va dire. Cependant, il y a sanctionner le plan de constance. Ça, on y a enlevé au plan bilatéral. Au plan latéral, État capable d'agir pour contre lui-même. C'est un bagage qui est engagé par les Nations Unies. Donc, les États-Unis qui ont besoin des matchs la guerre plus poids, eh bien, lui passer par le conseil. Il va lui passer. En fait, lui introduit dans le conseil là, il fait des négociations, il fait le vote. Parce que, quand il y a l'Amérique lui-même, les décisions, eh bien, des plus poids parce que c'est des décisions que. Là, au niveau de la coopération multilatérale. C'était directeur exécutif à Centre Analyse à Kouchecha, Nandoua Mounan, Maître Gédéon Jean. Dans le chapitre la santé, entre samedi 1er pour arriver vendredi 21 octobre 2022, il y a 37 moun qui mourent dans la maladie choléra dans le pays d'Haïti. Il y a 4 cas moun qui trappent la maladie choléra dans le département plateau central d'après l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS. D'après OPS, il y a un nouveau alerte qui est en phase d'investigation dans divers départements, comme la Tibonite, département plateau central, nord-est, l'ouest, sud-est, grande Saknip. Dans la zone métropolitaine Port-au-Prince-Lan, il y a 8 communes qui touchent dans l'épidémie, comme la Cité-Soleil et Port-au-Prince, côté qui a plus de monde qui touchent dans la maladie, avec 49% dans la Cité-Soleil et puis 37% dans Port-au-Prince. Il y a l'autre bord, OPS rappelé. Dans la prison civile Port-au-Prince, il y a 271 cas moun qui suspectent, il y a 12 cas qui confirmés et puis il y a 14 moun qui perdent la vie. Dans la situation de sécurité avec raté gaz lan qui la cause, il y a un gros défi pour capable répondre à la maladie choléra dans divers départements, en particulier à cause échantillon cas suspects choléra yo pa ka transporter pour y analyser. Toujours dans le chapitre la santé avec violence lan plus maladie choléra qui réparait à commencement mois octobre 2022 avec situation humanitaire capable dégrader chaque jour plus gain danger catastrophe dans pays d'Haïti côté population gain tout difficulté pour joindre d'eau potable c'est contre l'organisation Médecins sans frontières MSF. MSF a fait connait li gain temps recevoir plus passé 100 patients qui présentaient symptômes qui lié à maladie choléra chaque jour pendant dernière semaine yo dans 4 centres traitement liyo centre sa été installé dans quartier Tujou Douya ak Cité Soleil Chanmas à Kafou avec une capacité pour capable recevoir 205 cabanes semaine passée a gen yon femme enceinte qui vini dans l'hôpital Cité Soleil là li te vinn faire une césarienne en urgence
nous t'ai essayé transférer li dans un centre médical côté li était capable joindre un type de traitement ça yo mais li était mort d'après déclaration Luc Zamilda Jean-Louis médecin dans MSF en pile dans l'hôpital dans capitale là qui dépend du groupe électrogène pour fonctionner force réduit dans divers services et puis yo capable même obligé fermer porte yo à cause raté gaz là qui a persisté après blocage depuis plus passé un mois dans terminal Varouan côté gain 70% gaz qui stocké dans pays. Dans chapitre économie dans dernière semaine ça yo gain plus passé 20 000 ouvriers à couvrier qui perdu travail yo dans divers factories dans zone métropolitain Port-au-Prince. D'après porte-parole Placide Boa Télémac Pierre qui m'a dit autorité yo prend responsabilité yo dans la trouble ça qui a effondré pays, gen plusieurs usines qui pas ka faire commande encore qui obligé fermer porte yo à cause la situation la trouble à Katoumbe côté pays d'Haïti plongé à sans compter climat la terre dans diverses zones tant kou dans sud ak nan nord Port-au-Prince. C'est ça plateforme syndicat usine textile bataille ouvrière Placide Boa fait connait en côté là. Vin mette sou situation crise gaz ki gen la, c'est dernier goutte d'eau qui renverse situation. Li difficile même pour ouvrir ou même payer et transporter pour aller dans usine yo. Ça fait que je di a nous capable di pa caracol qui gen environ et 15 à 20 000 moun la dani déjà fermé depuis pratiquement un mois et demi, yo pa ka fonctionner par rapport avec crise gaz la, gaz yo pa jwenn et gen code de vie qui fonctionne au ralenti dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Dans son api, il fonctionnait et presque pas même dit à moitié parce que il y a une usine et une entreprise qui est Pacific Sport, il même il y a plus passé 7 building en dedans son api a, il pas fonctionné. Il était dans suspension temporaire, il vini mardi dernier, il vient travailler et puis jeudi il revoit il aller encore pour 3 novembre. Ça veut dire c'est une situation qui catastrophique. Nous pas capable pratiquement nous capable déjà gagner plus passer 20 000 moun qui déjà allé dans chômage parce que gagner rester dans usine là et yo vont aller chaque semaine ou bien usine pas arriver fonctionner et mais tout il y a des usines qui ferment cas des Horizon manufacturing qui ferme définitivement c'est le cas de Go Haiti depuis le mois de juin yo fermé définitivement parce qu'il y a un problème et matière première. Entreprise là obligé fermer porte les payer et ouvrir aux prestations légales yo et les cas pour Horizon jusqu'à maintenant ils vont toucher prestations légales yo. Il y a une autre usine encore qui est le Val-d'Or qui dégage environ 1700 moun là-dedans qui ferme porte depuis mois de décembre. Jodi a ouvrir pour toucher 1 centime comme prestation légale. Ça veut dire que nous capable dire c'est une situation chaotique que n'a vive là et autorité yo soit disant autorité yo yo pa gen souci de responsabilité pour ta wèk ça qui gen là en termes de perte d'emploi en termes économie pays a qui a effondré pour ta permettre que gen on ici dans crise ça qui gen le di a qui c'est moun qui dans opposition qui c'est moun qui dans pouvoir yo presque fait la sous d'oreille nous capable c'est même parallèlement parce que yo ne pa ka entendre pour que gen alternative pour ce pays a dans cette situation de nous hier. C'était porte-parole plateforme syndicat usine textile bataille ouvrier Télémac Pierre. Dans Amérique latine, ouragan Roseline perdit dans vitesse li côté le baissé dans catégorie 1 après li fin touché terre sous côte Pacifique état mexicain Nayarit là, ça qui la cause li provoquer gros la boue cap couler à quelques inondations mais li pas fait victime. Ouragan Roseline alors qu'il était classé dans catégorie 3 était atteint dans côte ouest pays Mexique là tout près Santa Cruz vers 7h20 d'après Centre national ouragan yo NHC dans pays États-Unis. À 11h, il était trouvé à 150 km des ports Mazatlan, il était traîné derrière vent cap soufflé à 150 km par heure et puis il était déplacé à une vitesse 31 km par heure d'après même source là. Ouragan ça t'est loué affaibli rapidement à mesure il t'a progressé aller dans nord dans zone côté qui gagne en pile monde dans pays Mexique d'après précision NHC. Dans pays États-Unis, yon augmentation nan quantité migrants qui sorti dans pays Venezuela, Cuba ak Nicaragua nan mois septembre nan, la cause quantité passagers irréguliers qui entré nan pays États-Unis augmenté nan niveau li pa janm konnen pendant yon exercice budgétaire d'après douane yo ak protection frontière yo nan pays États-Unis.
Sous continent européen, yon page histoire tourne dans pays Italie, poste fasciste Giorgia Meloni, première femme qui dirigeait troisième économie zone Eroa, prend fonction dimanche nan, détend nan discours li mande gouvernement pour li rete ini. Nous devons rester unis, gagner yon urgence, pays a dû faire face à elle, nous devons travailler ensemble, c'est ça l'été déclaré pendant premier conseil ministre qui dirait environ 30 minutes, dans moment côté gagner tension entre membres dans la coalition LIA. Toujours sur le continent européen, ancien ministre finance britannique là, Rishi Sunak, annoncé dimanche là, il a présenté lui pour lui venir jouer le premier ministre à la veille finissement candidature pendant une campagne qui pas duré longtemps. Et puis l'autre nouvelle, Ukrainien yo continue Sibi jusqu'à dimanche nan, gros coupi électricité qui se conséquence frappe russe à répétition qui visait infrastructure pays ça pendant hiver après approché, tandis que la Russie félicite tête li parce qu'il détruit yon dépôt gaz pour aviation ukrainienne. Dans santé, dans pays Ouganda, plus passé 44 moun ont perdu la vie dans épidémie Ebola d'après OMS. Écoutez Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. Épidémie Ebola qui est un pays Ouganda depuis septembre, la cause pour jusqu'à maintenant 44 morts mourir d'après ça. Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait qu'on est. En tout, il y a 60 cas confirmés, 20 probables concernant Ebola à 44 cas l'an mort, 25 morts guéris. C'est déclaration santé de Sadanom Gebreyesus fait. Précédent bilan OMS qui a été publié 5 octobre a parlé concernant 29 cas l'an mort. Chif agence onisienne nan bay lan englobé moun parmi sa ki te confirmé yo ki te pran virus nan men tout parmi ka sispè yo. Chif autorité Kambala a publié pa comptabiliser bon côté pa yo moun ki mouri à travers malade ki te confirmé et puis dernier bilan officiel Ouganda a remonté à 11 octobre et c'était 19 cas lan mort. Nous étions préoccupés par le fait capable gain l'autre chaîne de transmission avec plus contact avec virus nan, parce que ça nous connaît concernant communauté qui touché aussi déclaration ça chef OMS nan fait président Ouganda Yoweri Museveni by l'autre 15 octobre pour confiner des districts de pays hein, côté épicentre épidémie Ebola y a interdiction de déplacement couvre-feu mais tout fermé lié cap accueillir monde. Museveni était déjà bail l'ordre à guérir ces traditionnels pour camper sous affaire occupé malade dans tentative pour freiner dissémination virus là pour la police arrêter tout monde suspect qui contracté Ebola qui refusait mettre en isolement. Autorité au fait connaît kayo concentré dans district central Mobende à Cassandra et puis épidémie pas atteint Kampala malgré test positif vient coupe dans capitale là dans virus là. Des cas positifs ont augmenté le risque de transmission dans la ville qui gagne 1,5 million de monde d'après sa Tedros fait connaître. Transmission mounan fait à travers fluide corporel et pour principal symptôme la fièvre, vomissement, saignement mais tout diarrhée. Moun ki infecté yo vin contagé après apparition symptôme là après une période d'incubation sorti dérivé 21 jours. Épidémie difficile ou kembe sitou dans zone ibenyo. Sous session spéciale d'information et d'échange sous crise là et je dis à une tranche particulier sous ça qu'a passé dans village artistique Noy dans Croix des Bouquets. C'est depuis plus passé une semaine village ça trouvé dans étau entre plusieurs gangs qu'a troqué cognou. Bilan qui vient joindre la presse et qui sorti bon côté association artistes et artisans dans Croix des Bouquets ADAC Fondation Afrique America. Eh bien, il faut connaître plus passé 15 moun qui perdu la vie et puis yon valeur atelier artiste avec Kay Boulé gen artiste ak artisan qui rive échapper pou yo pendant gen lot qui en danger. Ministère culture ak UNESCO condamné zak sa yo. Ministère culture mande solidarité pour toute population artiste ak artisan ensemble ak zèv yo qui a péri plusieurs jours après. Cependant, victime yo toujours attend secours. L'État haïtien classé noy, nous songe ça ensemble avec toute pratique travail métal que aurait les fait découper en cap fait la noy comme patrimoine culturel Haïti. Et pratique ça a développé dans Croix des Bouquets depuis années 50 yo. Information fait qu'on est
c'est pi gwo foyer artiste ak artisan ki gen nan tout Caraïbes la avec yon centaine atelier et puis environ 1000 artistes artisans kap viv la dani. Pour comprendre pi bien conséquence sa kap passé nan village sa, sociologue photographe Kessler Bien-Aimé qui c'est yon spécialiste nan patrimoine culturel avec nous le téléphone n'a accueilli les bienvenue Kessler Bien-Aimé. Et merci beaucoup à la radio, merci son plaisir pour moi pour nous faire cette bouche ensemble sur thématique actuelle et autres. Oui, et Noailan, c'est une zone particulière puisque c'est un village artistique pas gagné en pile comme ça en Haïti. Dis-moi comment vous observez les derniers événements qui passaient la noyau et qui grave avec en pile monde mouri. Agression, dernière agression là, qui peut être l'occasion qui fait n'a pas lien. C'est une occasion de qui fait que bien avant, bien entendu, gagne l'autre occasion déjà. Côté village là, est frappé par ce pays en termes d'agression sur différentes communautés. Et village là, c'est une là dans le même genre, et une autre communauté qui nous parle, il faut parler de l'autre, pour Bel Air. Là, nous prenons Adak, Adak c'est en haut, mais Abel, par exemple, qui fait une communauté bien sûr artistique dans Bel Air. Là, nous prenons un grand bio. Différentes poches taillées, et notamment Adak, qui est basé dans le Croix des Bouquets depuis 2008. La communauté a frappé, ils ont agressé, ils ont tourmenté, et chaque dernier bagage qui passait là, c'est peut-être l'occasion pour que nous comptons les fautes sous question ça pour nous dire que les gens qui sont des créateurs, qui sont des gens qui sont quand même qui participent dans l'identité du pays, notamment dans le début du 20e siècle. Et dans le début du 21e siècle, même si on a parlé du métal lui-même depuis années 70, de clarifier comme on chante spécialement. Et en termes de champs artistiques spécifiques qui utilisent des matériaux pâles, pour savoir faire pâle, etc. Mais nous pensons que un gars de l'île, il est toujours intéressant pour nous garder une semaine ça, mais l'autre semaine avant, un mois avant, ça passe qui fait que les différents espaces, vraiment, il y a des mantibilés, et on a parlé de ça, on a parlé des références assez importantes pour le pays. Là. Si n'a pas les des pays toujours, eh bien ça veut dire ne pas négliger côté qu'a créé et notamment et économie culturelle, hein, économie et créative, hein, économie orange, son barrage fondamental lié dans l'économie pays. Dans le rentrer. Et puis l'impact sur notre secteur social qui fait que la population va obliger des gens ne va pas dépendre des instances, que ce soit légal ou autre, mais eux-mêmes, à partir de leur création par eux, ils vivent, ils font l'autre. Donc là, nous pas simplement parler de insécurité, c'est la vie monde, certainement, mais tout, c'est toute une bonne pratique qui a détruit c'est des lieux de travail, c'est des lieux de création qui a disparu. Tout côté aussi, t'es là, c'est côté des communautés d'artistes, d'artisans qu'il a. Tout à fait. Justement parce que, bon, moi, pour moi, il n'a pas les trois générations, quand même. C'est-à-dire la génération l'auto, hein. Georges, qui était tellement important, dont musique côté non, et que Afrique-Américain, et salut à tout le monde Afrique-Américain, que Barbara, Christine, Stephenson, les Maxine, ils ont encadré. C'est pas artisans, eux même, c'est des mondes qui vivent telle mise en valeur. Du travail ça qui reconnaissent qui travaille en cadre dans la zone non qui a capable d'artiste qui fait que les artistes assez important pour le pays, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des Maradona de Neymar tellement important et pour économie pays, hein, pour belle pays, hein, et pour faire pays, hein, marquer une grosse différence par rapport à l'autre. Et mais il y a toute la difficulté, que ce soit M. Grand-Rio, c'est des artistes majeurs
qui par exemple, si on peut parler de là, qui représente des clients valablement et nous supposer fiers de eux, alors que tout en difficulté. Donc, des trois générations, Georges Loto, en 1978, bien sûr, on était déjà inscrit dans la centrale d'art, et David Peters, qui s'est réinitiateur des mouvements, ça tiré dans lui-même, reconnaître que M. Sa, son grand maître, il est dans la question, et métal, et pour le découper, et que Georges Génération Vignier, si nous avons par exemple, le Fénix Juste, et puis Génération Koumier là, bon, pas M. Koumier là, M. Quatrième Génération, par exemple, Serge Jolimo, et Yves Darius, et qu'on y a des jeunes dragons saoniens, par exemple, qui a fait, qui exposé récemment et dans la maison du fort, et par exemple, Eddie Jean-Rémy et autres, qui a vraiment produit et créé, qui a parlé de technologie, notamment dans l'économie orangienne, mais il faut parler, il y a compté. Alors qu'il y a une difficulté, il y a une difficulté parce que il y a manqué partage de connaissances, discussion sur eux, sur importation. Et que n'importe savoir faire ça, et connaissance ça, l'air disparaît, mais c'est appauvrissement, nous-mêmes, peuple haïtien, bien entendu. Et c'est appauvrissement économique, hein, c'est appauvrissement communautaire, précisément, qui dépend de ça, parce que l'on vient garder plein dans ce et notamment le nord de Port-au-Prince, précisément, quoi des bouquets, ça vient en bas, pour là, après on va le garder, c'est justement, c'est monsieur Sao, attendez. Depuis notre village là, et dans notre village artistique là, autant de tico, autant de sons, hein, ça veut dire que bon identité et les dégager, bien où on s'en mesdames, parce que c'est sont des garçons seulement, nous, je n'en sais des mesdames, ou je n'en sais des jeunes, ou je n'en sais des grandettes, mais en même temps, on est dans une situation qui, comme tu m'as dit, et malgré mise en valeur des mondes, des groupes chers, que ce soit américain, que ce soit design, et design et 184 design, ils ont eu fait dans le village là. Et même si l'État a fait tentative de les accompagner, il faut reconnaître ça. Mais vous remarquez que tellement manque de systématisation, de légalisation, de encadré, de rendre capable de contribution plus effective de côté dans sa côté comme reconnaissance en économie pays. Et puis, qui fait que gain yo là malais pendant du sept jours et yo tout monté gain yo cloué puis étouillé et puis même en termes on va pas faire moi comme dans couloir on connaît gain là derrière en termes on va pas faire c'est côté zouban la petit fait pour que solidarité fait pour tellement un créateur qui est important qui porte un film dans l'économie paysanne et l'identité paysanne qui pas de prix hein. En ce sens moi pense que même pas qu'il profite l'occasion ça pour que nous posions des problèmes non pour que plus communication sensibilisation fait autour de différents sites culturels ça sites de création ça sites de production et espace d'écomusée ça c'est-à-dire on se passe côté on va créer monsieur d'amio à créer ou capable de consommer tout ce que vous voulez c'est-à-dire capable acheter ou capable de déplacer c'est de il a supposé inscrire dans circuit touristique du Port-au-Prince. Et c'est-à-dire depuis un an, c'est-à-dire l'opérant, M. Damozissatio, et puis monter dans sous Bélair, et puis traverser dans Nol, et Bélair qui s'est noyé au Port-au-Prince, c'est-à-dire du côté Port-au-Prince, très licence, vraiment c'est l'espace noir au Port-au-Prince, et monter dans Nol. C'est assez bon, espace assez important dans la formation. Et paysage urbain historique là, qui fait quoi des bouquets pour retourner dans l'histoire. Et ville là, on va pouvoir écrire quoi des bouquets, c'est très compétitif. Et également, il partage le territoire ça en termes d'espace urbain, même s'il y a un client qui vient, mais depuis avant, hein, c'est pas nouvelle disposition qui fait que quoi des bouquets sont insérés. Donc, cela dit que, difficulté ça, je pense que autant de communication, autant de sensibilisation pour partager, qui ça représentait. Et pour pays, bien sûr, pour communauté immédiate qui actuellement là, des gens qui en pleine mobilité, par exemple, pauvres dans le village, hein, c'est-à-dire, et l'autre n'a pas participé là pour ne pas venir en danger, mais en même temps, il y a des gens dans la cité là, qui petit dans le village, c'est des gens, et même si l'on entre dans le village, on ne sent aucune agression, on ne peut demandé, parce que si on n'a pas rien fait, d'abord, c'est des gens qui ont occupé parce qu'ils ont mobilisé, on va
et important que c'est savoir faire nous qui c'est en connaissance en créant le travail pour tout le monde nous venir l'adresse donc l'adresse c'est l'adresse quand vous mettez ça c'est pas une richesse parce que Et c'est peut-être le moment, Kessler bien-aimé, pour nous parler de faire découper dans le concret qui ça que li représente pour auditeurs et auditrices nous, qui certainement l'a passé dans la rue, que ce soit sous Boudon ou bien monde qui fait route là, calé et l'an noir même, yo rencontré avec faire découper que représente comme patrimoine culturel Haïti. Expliquez-nous. Bon, justement, depuis, pour nous, beaucoup plus récent, c'est dans la Bavie, depuis l'année 2020, oui, on est capable, on croit que le ministère de la Culture est inscrit, et sous registre patrimoine, et culturel paysan, et notamment immatériel, et village artistique noir, là. Et ça, sont pas importants. Sont pas importants dans la mesure où sont conditions, éléments pour que nous côté dossier ça plus devant, c'est-à-dire plus devant de dire que bon reconnaissance internationale. C'est-à-dire que là c'est acteur haïtien qui pour travail, qui pour que dans le moment ça, et qui pour ça faire force et diplomatique, parce que c'est diplomatique également, et force politique, parce que c'est politique tout, parce que c'est pas des inscriptions des patrimoines culturels et sans démarche politique, c'est-à-dire sans pays, et sans tu vas mettre d'accord sur des choses, démarche technique, c'est-à-dire monter dossier, et mettre nos mots adhésion et médiatique, adhésion et communautaire sous ça, pour mener un dossier ça, savoir faire ça, et connaissant ça, belter ça, par devant finalement la scène mondiale. Et ça, c'est fondamental pour que nous soyons capables de faire ça, et malgré que si nous songeons bien, dossier ça apparaît déjà. Donc il y a des efforts et finalement politique qui vous faites dans le sens ça pour que par exemple Noir est capable justement est-ce que c'est pour Michel Bellier la permettre que pendant la parler là si le village noir avait été inscrit, mais justement on a senti que on fait des gros articles au niveau mondial qui a senti sur ça. Ouais, c'est bon jouer, ça veut dire que article ça fait pas lobby politique, etc. C'est des partagés finalement. Des biens l'humanité en tant que bien de l'humanité, son savoir-faire, son connaissance, son adresse qu'il a, eh bien, il faut justement mondialement que savoir ça, connaissance ça, eh bien, il partage, sauvegarder durablement. Tout à côté, il fait coup sur ça. Là, on fait un effort de reconnaissance ça, c'est un bagage très important pour que nous fassions que encadrer et fait que reconnaissance ça, son reconnaissance partagée, disons, largement. Au niveau mondial. Et ça, c'est absolument important. En ce sens, qui ça nous perdu? Qui ça nous vient pour nous perdu? Les populations sont obligées à se déplacer. L'obligée de tout monter comme ça. Même si, et il faut le dire en même temps, que Noaï, c'est pas seulement mon natif natal, même si c'est héritier et Lyotoyos, plutôt, c'est disciple de Lyotoyos. Et qui, bien sûr, qui est dit pratiquement, et qui a répété, qui a continué. Mais en même temps, nous comprenons que il y a l'autre monde dans le pays hein, qui a savoir-faire tout, qui porte contribution et paillot dans le village, qui vient dans le village, qui vient travailler. Exemple, par exemple, il y a des mondes qui travaillent sous Boudon. Il y a des mondes qui travaillent dans le tapet, en Pétionville, en Songe, même des jeunes garçons, et M. Poloué, Mounio, Bord. Bon, ça peut être là, dans le pays américain, dans le coin, etc. Entre guillemets, les touristes qui viennent dans le pays toujours. Donc, ça veut dire que, bagaille, ça allait, mon nom, et venir dans le pays, ils ont un élément. Eh bien, ils ont acheté une pièce. Elles sont absolument agréables au pays. Et que, parce que, sont comme qui rentrent, et c'est pas comme nous, elles prennent ton côté, non, mais aucun organisme, je ne sais quoi, mais c'est encore qui sautit notre. Dans ta travail, dans la tête et créateur qui fait que lui-même il mobilise le faire pour que comme ça rentre. Et ça, c'est ça qui est le richesse. C'est pas l'autre bagaille. C'est pas la réponse au richesse. C'est ça qui est le richesse. Et bien, nous sommes capables de l'inscrire globalement dans les productions nationales. Et bien, il y a nous négliger. Il y a un danger, nous pas reconnaître ça. Il n'y a pas fait effort de reconnaissance, savoir-faire ça, savoir-faire artisanal ça, savoir-faire artistique ça. Et c'est conventionnel de l'Union Européenne. Dans le couverture légale, et pour vous l'avancer sur lui, tenant compte que nous ratifions, selon l'article
et une croyance 176 dans la Constitution, la vérifier, justement, il mérite protection. Et il faut mobiliser toutes ressources juridiques, toutes ressources légales, toutes ressources de sensibilisation, de fierté paysan pour que nous protégions. Oui. C'est juste à parler. Oui. Donc, et des générations, nous parlons là, Kounia, et bien, bon, moi, parce que c'est une génération éthique, j'en ai mis un, c'est une génération Kounia, très fougueux, très créateur. Le monde a salué, l'autre jour, on a regardé, monsieur, nos pays. La récise, ils ont parlé avec les pays d'eux, mais ouais, on a pris un bon étranger qui réunit notre pied, monsieur, qui a montré où ça va faire ça. Bon, nous pas besoin d'inquiéter. Ça nous a fait, parce que. Et il y a montré mon mieux savoir là, connaissance là, mais il y a un nan haïtien gagné, c'est un bagage qui est partageable. C'est-à-dire que, imaginez à nous, et notamment que, sous-prend, et vu ça découpé, c'est l'inspiré de Vaudou, et il m'a matricié de Vaudou, et bien sûr, il évolue. Alors, c'est ça, Ndaye, mais nous prenons un petit temps sous ça, l'an dernier tiers interviewant, Kessler, bien aimé. D'abord, donc, c'est de l'artisanat ou bien produit d'art. Mais qui fait à partir de métal. C'est métal là que artisans ou bien artistes qui travaillent pour faire une œuvre. Oui. En fait, c'est l'hypothèse sale, l'hypothèse bon. Matière première là, c'est même genre comme pierre taillée et dans une rivière froide, ce sont gédiens, même si ça a eu une difficulté. Mais faut qu'on est dans un lieu au Ghana, où on vient toujours et qu'il y a des poches de sites que monsieur toujours continuer sous besoin de faire décorer, salon, besoin. Pour l'artisanat, en fait, tout, pour que des pièces qui remarquables qui viennent exposer, pour vendre, bien sûr. Eh bien, métal là, il y aurait le métal, et en fait, tôle découpé, précisément, tôle découpé. Et nous avons pratiqué le boss métal, ok. Et lycée on pratique justement tellement ce qu'il développait à partir de l'autre sur YouTube. C'est que tu as un grand maître déjà dans la question. Si j'en ai remarqué, monsieur, c'est à travers notre cimetière et que nous avons fait quoi, notamment des wikipédia qui étaient signalés, monsieur, qui remarquaient monsieur, et que monsieur a pratiqué, mais finalement, monsieur très difficile, à partir de connaissances, à partir de savoir-faire ça, à partir de moyens, ça va, monsieur, tout pour le dire. Qui fait que, mis en valeur le fait de lui-même, là, c'est un musée qui peut être énorme, même chaque jour, je vous dis, nous avons dit, joli mot, même quand on mis en valeur les connaissances nationales du fait de lui-même, tout, parce que c'est des grands maîtres qui ont été, les ont parti, les ont déplacé, les ont mouru, les ont quitté, les ont assassiné, Jean n'a pas assassiné ou là. Ah mais c'est, donc, le résultat de l'opération, c'est que nous vîmes qui pose. Si nous voulons dans ce sens-là, précisément, même si que nous chitons à son bloc Huchette. Qui thématique qui domine le travail faire découper hein, au niveau de Noailles? Oh non, je suis capable de dire rapidement, les divers. Les divers pour une raison simple, hein, parce que Haïtien est divers, Haïtien riche, Haïtien puissant, Haïtien son grande puissance liée justement la question production artistique, même si bien entendu, il va y avoir un encadrement nécessaire et tout ça, un encadrement société, un encadrement lié. Parce que bien des gens qui parlent d'un gros causé dans le bouchon de la société, mais qui par exemple mettent point de pied là, qui portent tout point sous, mais c'est point de pied dans le village. Ouais. Et ça veut dire que ils ont mis en valeur manqué fait. Vous connaissez comment qui fait, qui va acheter une grande pièce pour encourager artisan ça ou artiste ça. Je peux dire que les thématiques sont diverses, parce que tout simplement sont pratiques vivantes. Ouais. Et les pratiques immatérielles, en tant que pratiques vivantes, ça veut dire pas figées. Elles ont évolué avec temps. Et donc ça veut dire que ce n'est pas un bagage, même si c'est le de vous, mais vous commencez son bagage qui bougeait. Et imaginaire là. On voit qu'il y a différents éléments qui intégrés dans. En ce sens que son pratique traditionnelle, son pratique contemporaine, son pratique qui autant rurale, et c'est-à-dire dans beaucoup de milieux, et en même temps urbaine. Parce que vous pouvez remarquer qu'il est assez suffisamment exposé dans les ambassades, et également, bien sûr, à la focale, et Maison du Fort, et Centre d'art. Bien sûr, etc. Donc, ça veut dire que, au pas mal jouer dans l'édifice, telle pièce, si on fait comme ta thématique seulement, c'est au capable. Et puis, art déco capable. Et également, environnement capable. Ça veut dire que, comme il y a un pire artiste, un pire artisan, un pire créateur, on est capable de dire bien, eh bien, selon sa sensibilité, et Dieu, sensibilité, imaginaire, en termes ouverts, monter bien haut pour nous garder sa capacité.
passé dans le monde là. Et c'est sous base que tu as passé dans le monde là, ils ont inspiré tout, parce que il y a inspiration interne là, c'est-à-dire à partir de vous même dans yo, ok, et les matriciels vous doivent, et en même temps, ce qui se passe dans le monde, inspiré yo, bien entendu, ou avez tout en dedans, soit font étude de classification des thématiques, les thématiques travaillent. Et travailler par finalement ce créateur, créatrice, ça ben lui multiple, et pas on va être spécifique ou capable, ouais, ou capable de jouer autant d'éléments de contemporains pour jouer ensemble d'éléments également traditionnels. Ok. Kessler, bien aimé, moi que ministère culture et communication a levé la voix pour condamner ce qui a passé jeudi à la noaille. Qui ça ou pensez que jeudi à la circonstance terrible ça que. Population ça a d'artistes, d'artisans capables d'attendre de l'État haïtien. Bon, de toute façon, il n'y a pas supposé seulement attendre de l'État haïtien, mais pour forcer l'État haïtien, ça fait une différence. Hein. Et ça fait une différence parce que c'est pour question de l'État, c'est des contribuables. Et puis, sous base que les contribuables, c'est-à-dire qu'ils ont participé dans la mise en place de l'économie, en fait, que vous voulez, et sous base ça, ils ont mérité protection. Et d'autant plus que la parlé d'objets culturels. Objets culturels, là, il y a un économique, il y a un statut particulier. Ce n'est pas tant qu'on s'adjure, hein. Ils sont produits sensibles qui méritent justement une protection particulière. Donc, qui ça voulait faire? Ben, justement, pour l'État, pour les responsabilités. Et d'autant que l'État reconnaît déjà dans et communiquer plus aussi pour et reconnaître pratique ça. Pratique et étant découpé comme tellement important, faisant partie du patrimoine et culturel immatériel PIA, du sous-registre et national PIA, d'une part, et selon l'État répond à un bagage. Il répond à la Convention de 2003 dans son article 12, 11, 12, 13, 14, qui dit que faut l'État inventorier tout ça sur le territoire. Comme pratique culturelle immatérielle. Justement, l'inventaire de ces pratiques, finalement, a été fait. Eh bien, juste dans ce sens que l'idée de ce monté sous lit, ils reconnaissent que, et avec sous-bas-gout, c'est ça, qui sont malades qui est important pour le pays. Et urgence, là, je dis, c'est qui ça? Eh bien, urgence pour l'État, c'est pas seulement. Il ne faut pas venir dire même comme citoyen, comme si on a dit, ils font déclaration, il faut le faire plus que ça, c'est-à-dire, il faut et joindre avec association, opérateur, et culturel, et médiatrice culturelle qui a encadré dans le nom, pour qu'on ait que Mounsao là, qui, de toute façon, semaine là, en attendant que l'essentiel soit fait, eh bien, pour y encadrer Mounsao, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comme moto pour nous déplacer. Oui. Depuis qu'on était à mourir, et il y a des gens qui ne peuvent pas manger pour nous manger, même du monde, c'est-à-dire des créateurs, etc. Il y a des gens, depuis 2 ans là, ils viennent appauvrir, parce que Mounsao n'a pas venu acheter. Et vous comptez ça, ça veut dire dans l'économie. L'on peut jouer pas vendre. Depuis qu'on économise, ou depuis qu'on capital et le capital max, on peut ça le dire comme complication. Justement, les gens qui font vendre, font passer, ils ne sont pas capables. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas laissé les gens qui vendent produits à l'interne, mais bon ensemble d'opérateurs, de médiateurs culturels, d'agents qui sont dans toute zone d'Amérique latine, États-Unis, autres qui viennent acheter dans les pour aller vendre. Mais les gens ne peuvent pas rentrer dans le pays. Ou est-ce qu'ils ont en termes de complications? Donc, il faut l'État créer, de toute façon, les jobs, ce n'est pas job bam, créer une ambiance, un climat sécuritaire nécessaire pour que les gens aient confiance, justement, pour entrer dans le village à Vinaché. Créer possibilité pour que les gens continuent à produire, c'est la taille pour capable produire, c'est-à-dire pour alimenter l'économie des pays, et puis ils sont même capables de vivre de sa affaire. Et puis, présentement là, il faut que nous relayons, nous discutons, nous avons besoin immédiat qui s'allie. C'est le climat nécessaire immédiatement pour que nous ayons confiance à un, habiter dans une zone, deux, rentrer dans une zone de l'acheter. Donc, ça, c'est l'état pour faire. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et pour nous, des fois, il n'y a pas trop de temps. Mais, quand nous avons dit, entre temps, pendant la prochaine temps, eh bien, il faut que nous discuter avec agents organisés dans l'espace. Hein? Et je dis, on vient, mes organisations, c'est mes pouvoirs. Et bien, espace, ça, yo, des organisations. Il y a des organisations qui sont valables pour discuter. C'est pas même pas parler pour nous, même pas la même communauté. Hein? C'est des gens qui sont intéressés à ce qui se passe dans la communauté. Hein? Donc, il y a des agents
qui organise yo pour discuter avec yo et que qui ça pour faire justement pour nous mourir en groupe pour nous capable de déplacer pour nous sécuriser yo capable dormir la caillou. Cela dit moi-même moi pas gagne en même cas de l'état mon cas dit rentrer en contact formel c'est pas notre pourvoyer donc notre vie dans dit nous sommes contents et contacts c'est pas suffisant il faut faire plus. Eh bien Kessler bien-aimé Nabdou merci en pile. Eh bien, merci beaucoup et puis bon ça avec un peu de tristesse c'est que quand ça nous est parlé et alors que bagarre ça il a parlé de métal il a parlé de tôle découpée il a parlé de boss métal il a parlé de savoir-faire artistique ça c'est content pour nous être content parce que son bagarre qui permet qu'il a espoir à un côté de Boum qui va bien jader encore. Eh bien, avec nous, c'était Kessler Bien-Aimé, c'est un spécialiste dans le patrimoine culturel. Nous avons parlé surtout sous noyer et faire découper. Nous connaissons depuis plus passé une semaine. Village ça a trouvé dans un étau entre plusieurs gangs, Cap-Troque et Cogno. Bilan qui vient de joindre la presse et qui sortit bon côté association artistes, fondation Afrique America. C'est plus passé 15 monde des artistes, des artisans qui perdu la vie yo, et puis gagné une valeur atelier artiste à Kay Kiboulé.